Lalalalay, ma bichette, j'espère que tu vas bien. C'est The Twin. Moi ça va nickel. Et on se retrouve pour la suite tout simplement de la petite série des contrats de Petra. Ça sera le numéro 7 si je dis pas de bêtises sur cette vidéo. Et en plus il y a une petite particularité, c'est qu'on va pouvoir faire pour aller faire ce petit contrat là, en fait on va pouvoir en faire plusieurs. Donc je vais t'expliquer vite fait. De base, je vais te montrer la zone de la nouvelle cible que Petra t'a demandé d'éliminer, qu'elle nous a demandé d'éliminer. C'est celle-ci. Non, ça c'est celui qu'on va passer en fait. C'est celui de la semaine dernière, si je dis pas de bêtises. C'est celle-ci, voilà. Traquer l'exécuteur des loups près de la déflagration au Cosmodrome. Mais pour accéder à cette zone-là, en fait, on passe par le quai numéro 13. Donc je vais te remontrer sur cette vidéo. Mais bon, j'avais déjà fait la vidéo, mais au cas où tu te rappelles pas, donc je vais te le remontrer. Et en même temps, on peut faire cette meute de loup qui est aussi qui est aussi nouvelle, tout simplement. C'est une nouvelle meute de loup. Donc je vais te montrer toutes les zones. Donc tu vois, ça va être rapide. Attends, il n'y a pas de cible. Non, il n'y a pas de cible. Eh les gars, un grand kiss. Un grand cimer les poteaux, parce que c'était mon anniversaire il n'y a pas longtemps. Bah tout simplement hier, on est le 10, donc c'était le 9. Et j'ai eu un max de joyeux anniversaire. Franchement, ça m'a fait plaisir. Soit un message sur la play ou sur Facebook. Franchement, vous êtes des bons les gars, franchement vous avez assuré, ça fait plaisir. Et puis voilà, donc là déjà les gars, là je sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait la vidéo du quai numéro 13, c'est juste ici, donc on va le faire en même temps. Oh là, artiste, ensemble, on va essayer de faire les trois ensemble en fait. Donc c'est juste ici, je vide la salle vite fait. Oh là, j'ai un shoot magnifique. Et c'est lui. Oh là, tu mets du pompe. Et puis voilà, tu vas rusher. En plus, en fin de vidéo, les gars, vous allez avoir une petite surprise. Vous allez voir. Moi, je l'ai pas dit, je suis avec Binel. Donc voilà. Un gars de la team. Il n'y a pas de cible. Et voilà, c'est ici, en fait, la zone où il y a... Comment dire? La meute de loup, en fait. La nouvelle meute de loup qu'on a éliminé en fait pour Petra, c'est cette zone là en fait, la zone du Ténébrion. Et l'autre zone où spécialement on parle pour la vidéo, traquer l'exécuteur, c'est à la zone, l'autre zone du Ténébrion en fait, quand on va faire ces pits premiers. Donc là on va pas attendre la meute de loup, ça va être grosse galère sinon. Donc on va directement aller faire la cible. Donc tu vois en fait, c'est dès que tu arrives sur le cosmodrome en fait, tu fais toutes les zones de droite hein, tout simplement. Et à chaque zone de droite, à part celle-ci, tu as quelque chose à faire. Donc tu peux faire les trois contrats directement. Voilà, à fond, cette zone là tu la traces, tu regardes s'il n'y a pas une cible, si t'as des points de mort à faire ou des conneries comme ça. Moi ce que je fais souvent en fait, tu vas vite reconnaître de toute façon c'est où. De toute façon là tu l'as fait, tu l'as fait hein, l'assaut, c'est pic premier. Tu le connais, il était en une heure en plus il y a 2 semaines. Par contre les gars, ouais, cette semaine vous aurez pas mis le tournoi noir parce que franchement j'ai complètement zappé Drake, j'ai fait 2 nœuds noirs, j'ai complètement zappé Drake. Et puis voilà, et il me reste une nœud noire que j'ai pas faite. Donc je me suis pas connecté mardi, j'ai fait mes nœuds noirs à fond, franchement j'ai même pas pensé à les enregistrer. Et j'ai rien eu d'intéressant, hein. J'ai eu le plan C et j'ai eu un vieogramme légendaire. Donc j'ai vraiment rien eu d'intéressant. Voilà, on y arrive là. Donc toi tu peux faire les trois franchement d'un coup. Les zones à suivre, ça qui est intéressant. D'ailleurs, je voulais savoir. J'avais fait des vidéos en montrant les emplacements de tous les coffres, c'est pour les clés d'éther. Et bah vu que maintenant c'est patché en fait, on peut plus glitcher comme avant, hein, c'est pour avoir la clé en fait pour la prison des vétérans. Donc si vous voulez que je reprenne ce projet-là, dites-le moi les gars par commentaire. Je vous referai directement par planète en fait, hein, directement l'emplacement de tous les coffres. Et voilà la zone, c'est juste ici, l'exécuteur il se situe juste ici en fait, et vous le tuez puis voilà. Donc normalement une fois que vous l'avez tué lui et la nouvelle meute de loup, vous chopez des points de grimoire. Parce que c'est des nouvelles cibles en fait qu'on a toujours pas eu. Et donc
Voilà les gars, donc j'espère que ça va vous aider à trouver la zone, à pas trop galère. Tout simplement. Et ouais, par commentaire les gars, dites-moi si vous voulez que je reprenne bah, tout simplement la localisation de tous les coffres en fait. Donc je vous le ferai avec plaisir. Et puis voilà, tout simplement. Donc sur ce les gars, on se retrouve en fin de vidéo. Vous allez voir, y a une petite surprise. Un petit pétage de plomb parce que j'en ai marre. Vous allez voir, vous allez comprendre. Bon, moi je vous dis kiss. Comme d'hab, les écoliers, très bien à l'école. Lâchez un peu le jeu, la tête dans les bouquins, c'est le plus important. Ceux qui charbonnent, les gars qui taffent, il faut des levées. Il faut des levées, je vous le dirai jamais assez, les potos. Et puis voilà, et sur ce, kiss.